Yo les potes, c'est Sneakzy, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec le fameux Grisou, les gars. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et de mettre votre pseudo en commentaire pour gagner les 800 000 kamas, enfin les deux pioches qui sont offertes. Offerte par Letty. Donc encore merci à lui hein, de vous faire gagner des pioches de Grisou. Depuis que ce n'est plus craftable, c'est vrai que le prix a beaucoup augmenté. Et c'est vachement cool de sa part, sachant que si vous voulez monter ensuite, vous voulez revendre à plus d'un million, ça se vend super bien. Et même pour farmer des kamas, vous avez vu que c'est incroyable. Aujourd'hui, écoutez bien la vidéo en entière, puisque je vais vous parler en même temps du projet qui arrive du coup. Puisque je pense avoir trouvé le youtubeur avec qui faire la série que voilà, je vous avais déjà dit hein, je devais faire en novembre à la base avec Feka. Puis finalement j'avais laissé traîner parce que ça tombait pas terrible au niveau du planning, etc. Et puis depuis, Feka avec SSBU et puis ses streams, etc., je pense pas qu'il aura le temps. Ghostounet m'a proposé de m'accompagner pour faire une mini-série en duo sur comment rush justement un serveur. Alors faut savoir que bah, pour ceux qui me découvrent depuis très peu de temps, moi j'ai été un très gros rusher sur Elisael et sur Temporis, surtout sur Elisael. J'ai été le premier niveau 100 avec Feka. On a up dans le même combat parce qu'on était en team ensemble. On a été les premiers niveaux 100 du serveur, puis le premier niveau 200 moi en point d'awa sur le serveur Elisael. Donc j'étais quand même assez fier de cet exploit, sachant que Pandawa c'était la première fois que je jouais vraiment Panda. Et au final j'avais pu apprendre pas mal de choses, etc. Et justement ça je ne le savais pas, c'est Ghost qui me l'a dit en privé. Lui il avait été premier de sa classe aussi, mais sur Dramac, c'était quoi le serveur, je crois c'était ça, c'était Dramac non, le deuxième serveur, je crois que c'était ce qu'il m'avait dit, ouais c'était le deuxième serveur, il y avait Elisael et en deuxième je crois que c'était Dramac, donc ça va être cool, on va avoir pas mal de trucs à vous donner, pas mal de tips. Alors je sais pas encore, choisissez si vous préférez qu'on arrête à peu près au niveau 50 pour pas trop vous spoil, est-ce que vous préférez niveau 80, niveau 100, etc. On va vous donner des astuces, des fois ça va être des trucs tout cons mais c'est plein de choses que les joueurs ont tendance à ne pas savoir ou à oublier le jour J parce que ils vont se mettre la pression, ils vont se dire ouais je veux absolument rusher, etc. Alors faut savoir que on va vous donner des tips, etc. Mais vous êtes libre de jouer comme vous voulez. Il faut savoir que le rush c'est un plaisir comme un autre. Il y en a qui prennent beaucoup plus de plaisir à jouer très lentement et à monter progressivement. Et tout comme il y en a qui prennent énormément de plaisir, beaucoup plus de plaisir à rush parce qu'ils aiment la compétition, ils aiment cet état d'esprit. Voilà, faut pas juger les goûts de chacun. Moi franchement j'accepte tout le monde. Je comprends totalement ceux qui préfèrent faire ça lentement entre potes avec une bonne entente et tout, alors que les rushs bah souvent ça met la pression, ça peut vite partir en couille si les mecs sont pas organisés ou quoi. Donc on aura pas mal de trucs à vous apprendre sur l'organisation notamment. Aujourd'hui, Grisou, surtout, et oui, du coup, pardon, avant que j'enchaîne sur la vidéo Grisou, dites-moi en commentaire s'il y a des classes que vous aimeriez qu'on fasse, et surtout, bombardez-moi les likes pour que je sache si vraiment ça vous chauffe, cette mini-série, avec deux gros rushers, du coup, ça, je pense que vous avez moyen d'apprendre vraiment beaucoup, beaucoup de tips, et puis même des trajets ou quoi qu'on peut vous montrer qui peuvent être sympas. Alors, on va pas non plus dévoiler toutes les strats, l'objectif, c'est que certains rushers, même si je vous avais déjà dévoilé la plupart des strats dans ma vidéo d'Elisael, où j'avais dévoilé, et ensuite, sur Temporis, ça avait été beaucoup repris, les gens s'en étaient pas cachés, ils m'avaient même remercié pour avoir donné des idées de trajets, etc. Et si vous avez une idée voilà, des classes qu'on pourrait jouer, bah, bombardez les likes et moi je verrai plus ou moins si vous êtes vraiment chaud pour la série ou si ça vous chauffe pas plus que ça. Ça me permet d'avoir une assez belle estimation. Et si vous avez des classes, j'avais pensé à Zobal, parce que c'est vrai que je vous ai jamais proposé un gameplay Zobal sur la chaîne. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et puis pour Ghost, si vous voulez choisir pour Ghost, bah, n'hésitez pas. Si vraiment il y a beaucoup de likes, et bah, on lui imposera une classe. Alors peut-être pas Héliotrope, faudrait que ça y ait un minimum de synergie. Mais un truc qui est pas beaucoup joué, genre Zobal Roublard ou une connerie, je sais pas, un truc qui lui plaît aussi. Forcément, un entre deux quoi, un truc qui lui plaise et qui soit pas non plus auto win genre cry hop etc. Donc on verra, vous me dites dans les commentaires et puis comme d'hab de toute façon vous juste pensez si vous mettez ça, pensez à rajouter aussi votre pseudo d'Elisael parce que si jamais vous êtes tiré au sort et que vous avez juste mis le message pour choisir ma classe, bah je pourrais pas vous contacter sinon. Donc surtout quand vous allez vous abonner et like, pensez à mettre aussi votre pseudo en plus dans le commentaire, c'est important. Ce serait bête que vous gagniez et que vous n'ayez pas du coup le lot à cause de ça. Du coup aujourd'hui Grisou, puisque la dernière fois vous m'avez demandé de refaire une zone un petit peu plus bas level. Alors cette zone là je vous en avais parlé au tout début des vidéos de Farm Grisou. C'est une zone que je vous avais proposée, mais vous avez parlé que justement sur Elisael elle était en période creuse. C'était une période où elle n'était pas spécialement très rentable. Les lamelles avaient beaucoup baissé, c'était à peu près le prix divisé par 2 par rapport à là quand j'ai surtourné. C'est pour ça que c'est très important de rechecker de temps en temps les zones, genre
pas non plus tous les jours, mais une fois toutes les semaines ou toutes les deux semaines, vérifiez bien la progression des prix, puisque bah là, vous l'avez vu, c'est passé vraiment au x2. Alors, c'était pas non plus extraordinaire au niveau du bénéfice, ça reste très très bien pour une zone bas level. C'est une zone que je conseille à partir du niveau 60 à 120. Je dirais qu'après, vous pouvez partir sur des zones un peu plus rentables, mais ça, c'est une très bonne zone transition entre, par exemple, le farm des crodras, etc., bouftou, bave de rose, etc., etc. Je pense que c'est une très bonne zone de transition. Prochaine zone, ce sera Moon. Ça m'a été proposé par Number, si je dis pas de conneries, ça se prononce comme ça. Prochaine zone, je vous montrerai Moon, qui est aussi une très bonne zone de transition. À moins qu'il me propose la zone Moon dans des zones évoluées, genre Bombasse, puis Glouto, etc. Mais si c'est première zone, ce serait dans ce cas-là une très bonne zone de transition, parce que ça doit être une zone à peu près 60 à 120, pareil, pour le farm rapide. Après, vous pouvez continuer à le faire même plus haut level. En fait, plus vous allez être haut level, plus vous allez avoir de dégâts, et plus ça peut être intéressant pour vous de faire des meilleures zones. C'est juste pour ça, en fait, hein. Mais globalement, même niveau 200, comme là, moi, je suis niveau 200, je fais quand même une zone transition pour vous montrer que ça reste très rentable. Alors, comme d'habitude, les points forts, les points faibles de cette zone, les points forts, c'est que ça se clean très très bien, ça a pas énormément d'HP, les mobs sont nuls, vraiment, c'est très très nul. Faites juste attention aux champasses bleues, d'ailleurs, je me fais avoir vers la fin, vous allez voir, puisque je joue tellement vite avec mes raccourcis que j'ai appuyé sur F1 au lieu de ma touche 1, et du coup, bah, le champasse a pu m'attirer au lieu de le finir, c'était le tour où j'étais censé le finir, et vu que j'ai fait F1, bah, du coup, il m'a explosé au visage. Mais sinon, c'est extrêmement simple. Le seul point négatif, je dirais, c'est que, bah, c'est très dépendant des champs pas marrons, ça va être votre principale source de revenus. Donc faites attention, il faut quand même un minimum de champs pas marrons. Vous pouvez lancer des groupes classiques pour faire respawn. Il n'y a pas énormément de monde. Là, vous avez vu que je suis sur Ilzael, c'est une zone qui est pourtant beaucoup farmée. Et ça m'empêche pas de choper du marron. Donc là, il n'y a pas de « oui, mais tu casses la technique ». C'est extrêmement connu, c'est vieux comme le monde. Je vous le montre juste d'une manière différente avec le grisou, puisque je trouve ça aussi extrêmement rentable. Et seul autre petit point faible, je dirais que c'est le champasse bleu, qui du coup, lui, est à peu près 66% de résistance eau. Et du coup, bah, va tanker un peu plus, mais comme il n'a pas beaucoup de PM, etc., il a que 2 PM, il n'a pas beaucoup de portée, etc., il se TP pas ou autre, du coup, bah, ça pose pas réellement problème, faut juste spammer un peu plus, mais sinon, le reste, ça se clean à une vitesse hallucinante, voilà. Donc ouais, je remercie encore Letty, hein, d'ailleurs, tout à l'heure, pour les pioches, parce que mine de rien, c'est beaucoup de kama. Hein. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de participer, les gars, ça vous coûte rien, et mine de rien, la pioche a plus de 400 000 kama unités, plus de 1 million unités quand elles sont montées parfois, selon la variation des prix. C'est gratos, hein. Faut savoir, comme je vous le dis souvent, les gars, le prix d'Ilzael, c'est 2 à 3 fois le prix d'un serveur classique, hein. Si vous migrez avec 1 million sur de Ilzael à un serveur classique, vous allez avoir beaucoup plus de stuff tellement les prix sont 3 fois moins chers la plupart du temps sur Ophi. Donc parce que ça a été farmé par des milliers de joueurs et des milliers de succès. Donc voilà, donc une zone très sympa, vous avez vu que ça va super vite, même s'il y avait du monde. Voilà, bon, des fois j'avais un petit peu de mal à trouver des groupes. Il faut faire un trajet, d'ailleurs le trajet, prenez la même route que moi, partez de tout en bas à gauche, bah voilà, c'est là le moment où justement je me fais wipe, partez de tout en bas à gauche et faites des zigzags, comme ça, ça vous permet de clean très facilement, sans repasser plusieurs fois par la même map, ça vous permet de vraiment clean, faites exactement le même trajet, faites ce petit serpentin, et vous faites ensuite le serpentin en sens inverse, comme ça vous allez raser vraiment la zone sur les respawns, et ça va vous permettre de vraiment mieux quadriller bah, les respawns justement, donc pas mal, en plus les maps pour la plupart, pas tout le temps, mais la plupart du temps, c'était des bonnes maps, c'est des maps quand même assez petites en soi, on n'est pas comme aux zones forêt pétrifiée ou quoi, où c'est des grosses maps, là c'est des maps assez petites, donc c'est nice, ça va super vite, c'est tranquille, c'est très très peu de maps très longue distance, au pire des cas, bah, vous avez le bon plus la double attaque, donc pas un problème. Non, franchement, super cool, et puis je pense qu'on a fait le tour, très bonne zone, je la mettrai dans le top 10, ça c'est sûr, parce que forcément au bout d'un moment on arrivera à plus que 10 zones, mais je la mettrai pas dans le top 3, ça c'est clair, je la mettrai pas dans le top 3 pour les raisons que je vous ai citées dans les points négatifs, c'est que c'est une zone qui est très connue, c'est trop dépendant des champasses marrons, c'est trop dépendant du prix, de la variation du prix, contrairement à d'autres sources où c'est assez stable, et où même si ça baisse un peu, ça reste extrêmement rentable. Là vous allez voir qu'on va faire à peu près du 400 000 kama, donc c'est très très bien, pour une zone de transition c'est extrêmement bien, attention, mais voilà, on peut faire plus sur certains serveurs, on aurait pu faire plus
si les prix étaient plus intéressants. Mais là, en plus, on peut profiter des almanachs. En ce moment, il y a des almanachs économie d'ingrédients. Du coup, forcément, bah, ça aide pas mal puisque les gens vont dépenser pas mal dans les ressources. Donc le prix va monter. Donc c'est vraiment la période où vous devez farmer parce que bah, là, tout va up un petit peu. Les gens vont vouloir monter des métiers, etc., etc. Donc vraiment, profitez-en les petits potes. Donc voilà pour ce qui était de ce petit épisode. On arrive à la fin. Un très très bon épisode Grisou. Franchement, ça fait plaisir, les petites zones comme ça, très rapides, très tranquilles. Même si parfois il n'y a pas de champs marrons, faites les groupes. Hein, c'est toujours 3, 4, 5 000 kamas de gratter parfois. Si vous avez des champs rouges qui aussi rapportent quelques kamas, vous allez voir qu'on va faire dans les 60, 70 000 kamas en champs rouges. Donc c'est pas négligeable, hein, c'est toujours ça les gars. Là, faut savoir que 400 000 kamas, je crois que c'est genre... Je sais plus combien de kamas ça fait, mais je crois que c'est pas loin d'un mois d'abonnement, un truc du genre. Je crois que c'est genre dans les 600 000 kamas, un mois d'abonnement. Même pas. Donc là, vous avez vu, pour une session d'une heure, on peut s'abonner quasiment un mois. Donc voilà, les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre meilleur like. Je compte sur vous, vraiment, exploser les likes, c'est très très important. Et puis, n'hésitez pas à checker hein, les vidéos Brawl Stars, les gars, même si vous aimez pas spécialement. Juste au moins pour soutenir, voilà, vous laissez juste un petit like. Ça m'aiderait énormément parce que, bah voilà, ça va pas être facile de faire sa petite place sur ce jeu. Donc si vraiment vous pouvez bah, m'aider là-dessus sur ce projet, ça ce serait vraiment très gentil de votre part. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup la classe que vous aimeriez que je joue avec Ghost. Et puis me mettre en commentaire aussi votre pseudo, voilà, pour gagner l'une des deux pioches de Grisou qui seront offertes dans cette vidéo. Je vous fais à tous des gros bisous, portez-vous bien, ciao tout le monde, c'était Sneezy, ciao ciao.